J'ai la fonction y est égal à f de x est égal au logarithme népérien de x. Et de cette fonction f de x est égal à ln de x, je veux obtenir la dérivée en e. Je veux f' de e. On va voir comment procéder, soit de la manière formelle, soit de la manière ordinaire, et à quel type de résultat on aboutit avec chacune. Donc la manière formelle, c'est tenter d'obtenir la formule générale pour tout x. Donc je peux choisir un point x qui aura pour ordonnée f de x et un point distant de h, x plus h, f de x plus h. Et utiliser l'équation de calcul de la pente de la droite sécante, f de x plus h moins f de x sur h, dans le cas où h tend vers 0 et que ces deux points n'en forment plus qu'un seul. Donc c'est la limite quand h tend vers 0 de cette formule. On avait vu que cette formule, on pouvait l'appeler f' de x, c'était la fonction dérivée de la fonction f de x. Et dans ce cas particulier de la fonction ln de x, on peut écrire f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0 de ln de x plus h moins ln de x sur h. Et pour obtenir f' de e, on peut remplacer x par e dans l'équation et calculer la limite quand h tend vers 0 de ln de e plus h moins ln de e sur h. Et en l'occurrence, on sait que le logarithme népérien de e, c'est 1, donc on pourrait remplacer ici par 1. Voici l'écriture formelle. Si on s'intéresse directement à ce qui se passe au point x est égal à e, on peut choisir un autre point x, ici, et qui a pour coordonnée ici ln de x. Et à partir de ces deux points, ici le point e, 1, et le point x, ln de x, on peut écrire la formule de calcul de la pente de la droite sécante, qui est ln de x moins 1 sur x moins e. Et chercher la limite quand x va se rapprocher de e, donc la limite quand x tend vers e, de ln de x moins 1 sur x moins 2, voici f' de e. Si on ne recherche la valeur de la dérivée ou de la pente de la tangente qu'au point e, on peut passer directement par cette forme. Mais si on a besoin d'une formule plus générale pour obtenir l'équation de f' de x, la dérivée de f en tout point, on va passer par la forme formelle.